On connaît tous ces petites phrases de la vie de tous les jours, généralement des questions auxquelles on répond toujours la même chose, par politesse ou bien par habitude. Et si on pouvait répondre honnêtement à ces questions? Cas numéro 1. Salut, ça va? Ce qu'on répond. Ouais, ça va et toi? Ce qu'on aimerait répondre. Bof, pas vraiment. J'en ai marre de ce boulot. Je m'ennuie tout le temps. Ma vie est triste, je déprime tous les soirs. Et en plus, j'aime pas les frites. Ah, bon bah, bonne journée quand même. Cas numéro 2. Bonsoir, c'est pour dîner? Ce qu'on répond. Oui, s'il vous plaît. Ce qu'on aimerait répondre. Ah, pardon, parce qu'on n'est pas chez le coiffeur ici? Ah mince, mais non, mais moi je venais pour une coupe. Mais non, mais pas une coupe de vin. Là, à votre avis, si je viens chez Hippopotamus, c'est pour faire quoi, par manger? Gros bêta, va. Cas numéro 3. Une table pour une personne, je suppose? Ce qu'on répond. Oui, s'il vous plaît. Ce qu'on aimerait répondre. Mais t'en as encore combien des questions débiles comme ça? Bah, tu vois pas que je suis venu avec l'homme invisible et sa copine. Donc on est trois. Donc une table pour trois, s'il vous plaît. Duh. Si j'étais venu avec quelqu'un ou si j'attendais une personne, je vous l'aurais dit, hein. Merci. Cas numéro 4. Vous avez terminé, monsieur? Ce qu'on répond. Oui, merci. Ce qu'on aimerait répondre. Non, 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 j'ai pas terminé, hein. Je vais manger l'assiette maintenant. Un peu dur. Cas numéro 5. Y a un peu plus là, je vous laisse. Répond. Oh oui, vous inquiétez pas. Aimerait répondre. Pardon? Vous faites ce métier depuis combien? 10-15 ans, c'est ça? Ah, voilà. Et après tout ce temps, vous ne savez toujours pas évaluer la bonne quantité de steak haché à mettre dans la balance? Ah, je vous ai dit 200 grammes, vous mettez 230 grammes? Je dis non. Non, 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 non. Vous mettez 200 grammes et c'est tout, on ne discute plus. Merci. Ah, voilà. Cas 6. Alors, ça vous plaît? Répond. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est très bien, merci. Répondre. Vous avez terminé là? Attendez, mais déjà je vous avais dit pas plus de 7 cm, vous avez coupé le double, et puis en plus, mais attendez, mais regardez, mais c'est même pas symétrique, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe? Mais je ressemble à rien, mais même un Yorkshire, il est plus mieux coiffé que moi. Comment on va payer? Vous pensez vraiment que je vais payer pour ça? Mais vous êtes dangereux, vous ne faut pas vous laisser décider dans le... Non mais changez de métier, hein. Pour couper la viande, vous serez bon, hein. Mais pour les cheveux, c'est hors de question que je paye, hein. Non mais je m'en vais là. Je m'en vais, je paye pas. Non mais je paye pas. C'est... Et voilà la technique pour avoir une coupe gratuite. Cassette. Dis-moi, tu la trouves comment? Bon. Oh bah elle est belle. Oui. Oh, mais si si, je t'assure, hein. Elle te va bien, hein. Répondre. Franchement, ça te va pas du tout, hein. Non mais ça te boudine de tous les côtés, on dirait le Michelin, là. Voilà le Michelin. Et puis cette couleur, ça te pique aux yeux quand même, hein. Surtout sur toi, ça te va pas du tout, ça te fait un teint de zombie. T'as acheté ça ou c'est un cadeau? Enfin, t'as pas pu acheter ça, c'est... Ou c'est une caméra cachée, c'est... Bon, j'espère que t'as le ticket de caisse, hein. Non. Dommage. 8. Vous avez la carte Monoprix? Oh. Non, désolé. Drain. Non, je n'ai pas la carte Monoprix, mais tous les jours que je viens faire les courses, tous les jours me demander si j'ai pas cette fichue carte Monoprix. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me mette une pancarte sur le front avec écrit non, je n'ai pas la carte Monoprix, hein? Mais retenez mon visage, non, je n'ai pas la carte Monoprix, je m'en fiche de cette fichue carte qui rapporte... Ah bah en fait, je l'ai. Vous pouvez mettre les points, s'il vous plaît? Désolé, hein. Mais bon, finalement, heureusement qu'il y a la politesse et qu'on ne dit pas toujours ce qu'on pense, parce que sinon, on serait toujours sur les nerfs. Et vous connaissez d'autres petites phrases auxquelles vous répondez automatiquement sans vraiment y répondre? Racontez-moi tout ça dans les commentaires! On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo! D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner! Bye! Coucou, c'est moi! Et bien maintenant, je suis là pour t'expliquer quoi faire après la vidéo. Si tu veux voir une autre vidéo, clique sur le lien. Si tu veux t'abonner, clique sur s'abonner. Si tu l'es déjà, bah, je t'aime déjà. Et puis, bah, si tu veux me rejoindre sur Facebook, Twitter ou Instagram, va sur les réseaux sociaux et tape Délire de Mac, tu me trouveras. Voilà, j'attends. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas cliquer? Clique! Allez, clique, s'il te plaît, c'est gentil. Clique, vite. Bon, bah, je vais devoir arrêter. Allez, bah, je t'aime quand même, bisous.